Game Factory, where fun is made. Tiens, monsieur de la Robia, monsieur Stern, je vous cherchais. Ah, vous tombez bien, monsieur. Il y a comme des bruits bizarres qui viennent de la chambre de nos voisins. Vous pourriez leur demander ce que c'est? Tiens, justement, je pensais que ça venait de chez vous. De chez nous? Oh, ça non. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour régler ce problème. Au revoir. Bien joué, Odd. J'y avais pas pensé. Il faut que je m'entraîne si je veux assurer devant mes fans. Paco n'a pas le droit de décevoir. Dites, vous connaissez la dernière? Ouais, j'ai entendu. Pépette, le chat de Rosa, s'oublie dans les marmites de sauce bolognaise. Comment t'es au courant? La semaine dernière, j'avais remarqué que les spaghettis bolognaises avaient un goût bizarre. Alors, Ulrich, t'es pas trop déçu du retour de William? Non, pourquoi? Oh, je sais pas. Mais disons que Yumi et William ont l'air assez proches depuis son retour, tu trouves pas? Tu sais, si, ce William-là, c'est pas vraiment le type de Yumi. En fait, ce serait plutôt le tien. Tu devrais tenter ta chance. Ah bon, tu crois? Oh, je me suis encore tapé une sale note. J'ai eu 4 au dernier contrôle de maths. C'est pas si grave que ça, tu sais. Par exemple, Odd, il a eu 2. Donc, il y a pire. Hé, l'autre, c'est personnel, les notes. Salut, j'ai du nouveau pour vous. Ces dernières heures ont été passionnantes. Des nouvelles découvertes, Einstein? Et comment? J'ai localisé le 4e réplica. Encore un? Eh oui, c'est sûrement la montagne cette fois, comme sur Lyoko. J'ai les coordonnées de la tour principale. Bon, on y va alors. Minute, j'ai aussi localisé la tour principale du réplica banquise. Alors on doit se décider, banquise ou montagne? Juste une seconde avant de partir. Faut que je vous parle de ma nouvelle création. L'accélérateur quantique d'énergie cinétique virtuelle. Tu peux répéter lentement? Avec ça, les Navskids vont beaucoup plus vite. Un turbo, quoi? C'est ça. Vous vous souvenez de cette masse d'énergie mystérieuse qui était apparue après l'explosion de la tour principale du désert? Oui, elle nous avait filé entre les doigts. C'est pour ça qu'on a créé l'accélérateur quantique de... le turbo. Pour pouvoir la poursuivre si elle réapparaît. On a 2 tours principales à détruire. Si la masse d'énergie réapparaît, on pourra tester le turbo. Donc, c'est la banquise ou la montagne? On fait quoi? Je sais pas, moi. C'est comme si tu me demandais de choisir entre le couscous boulette et le hachis parmentier. T'es vraiment qu'un estomac sur pattes. Alors, vous vous décidez, oui ou non? On n'a pas beaucoup de temps. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Scanner.
localisation. Bon, ne perdez pas une seconde. D'après le super scan, la tour est instable. On n'a plus beaucoup de temps pour la désactiver. Ok, on fonce. Utilise ton saut de félin pour y accéder. Oh.
voilà la tour. J'y vais. Non, Aelita, c'est pas la bonne tour. D'après le super scan, celle que nous cherchons se trouve plus loin. Il faut continuer, vite. Thank you.
coup. Attention à ce monstre, c'est un méga tank. Dis Einstein, comment on s'en débarrasse? D'après le supercalculateur, il n'a pas de point faible. Par contre, vous pouvez peut-être essayer de l'attirer dans le vide en l'esquivant au dernier moment. Wow,
Wow, c'est quoi ce truc? J'ai jamais vu ça. Jérémy, t'as une idée? Non, j'ai jamais vu ça non plus. Méfiez-vous en tout cas. Il a l'air plus dangereux que les monstres qu'on croise d'habitude. Je lance des recherches. Essayez de tenir jusqu'à ce que je trouve son point faible. Ok, j'ai trouvé. C'est une espèce très dangereuse, le volcanoïde. Méfiez-vous de son tir explosif. Des infos sur son point faible? D'après ma simulation, le triplicata serait l'arme la plus efficace contre lui. Le volcanoïde. Méfiez-vous de son tir explosif. Des infos sur son point faible? D'après ma simulation, le triplicata serait l'arme la plus efficace contre lui. Merci pour le tuyau, Jérémy. Aelita, à toi de jouer maintenant. Je m'occupe de la tour. Thank you.
de moins. Bon, il faut être prêt à poursuivre l'énergie si elle réapparaît. Je m'en charge. J'ai une revanche à prendre. On dirait que l'énergie se dirige vers ce réplica au loin. Encore un nouveau réplica? Bon, je note ses coordonnées. Vous pouvez rentrer. Bravo, encore un réplica de moins. Ouais, mais si à chaque réplica qu'on détruit, on en trouve un autre, on n'y arrivera jamais. Je sais. J'ai rentré ses coordonnées dans le supercalculateur. On devrait pas tarder à en savoir plus. C'est bizarre quand même. Tu penses que Xana a pu créer une copie du 5e territoire? On va le savoir rapidement. Je suis fatigué. J'arrive plus à réfléchir. En classe, j'ai l'impression que j'ai la tête qui chauffe trop. C'est bizarre, non? C'est drôle, mais ça ne m'étonne pas de toi, William. Arrête de te moquer. C'est peut-être un bug dans le programme de Jérémy qui provoque la surchauffe. Maintenant qu'on est de retour, Midi et moi, les échos de Kadik vont redevenir une référence. Salut Ulrich, tu m'accorderais une interview à propos de William et Yumi? Je peux pas, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Salut les enfants! Milly, si tu as besoin d'un article, je peux te raconter ma vie de grand reporter en Amérique du Sud. À l'époque, j'enquêtais sur les cartels colombiens. Tu devrais accepter, Milly, ça a l'air passionnant. En plus, d'habitude, il veut pas en parler, alors profites-en. Bon, d'accord. Ça y est, William est de retour. Mais il a l'air différent. Bon, avec le réplica banc qui se détruit, il nous en reste plus que trois. T'as toujours les coordonnées de la tour principale de la montagne? Bien sûr, allez la détruire, je lance la procédure. On trouvera peut-être William sur ce nouveau réplica, qui sait? Bonsaï! Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Scanner Aelita. Virtualisation.
Oh non, Xana vient d'activer une tour. Ah, un spectre! Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Un spectre est apparu dans l'usine et il attaque le supercalculateur. Ah, saleté, le supercalculateur est plein de bugs, je ne peux plus contrôler le skid. Dépêchez-vous de désactiver cette tour, le supercalculateur ne tiendra pas longtemps. Ok, on va nettoyer tout ça! Thank you.
Supercalculateur fonctionne à nouveau. On peut s'occuper de la tour principale maintenant. Non, Yumi, il y a une urgence. Le skid est attaqué par des monstres. Il faut le protéger, vite! Hit!
Vaut mieux rentrer pour faire des réparations.
Désolée, mais c'était trop risqué de tenter une attaque avec le skid dans cet état. On pouvait y arriver, les doigts dans le nez. À cause de toi, on a fait tout ça pour rien. Bien sûr que non, Odd. Si vous n'aviez pas désactivé cette tour, j'aurais jamais pu relancer le supercalculateur. Odd, si Jérémy a fait ça, c'est parce que ça devenait trop dangereux pour nous. Oh, mais ça va, je suis grand, je peux m'occuper de moi tout seul. Bien sûr. Salut Yumi. Qu'est-ce que tu me veux encore? Il y a un super film cette semaine. On pourrait y aller ce week-end, toi et moi. Ça s'appelle Solitude et Atome. C'est un film d'auteur lituanien réalisé par Zlatan Spilborskas. Ça raconte la solitude d'un scientifique dans la steppe de Sibérie. Ça a l'air passionnant. Mais malheureusement, je vais devoir dire non. Je dois garder mon frère ce week-end. Dommage. Il faut que je m'entraîne si je veux assurer devant mes fans. Paco n'a pas le droit de décevoir. J'ai un scoop! Encore une de tes news éventées, Emily? Non, non, c'est du lourd cette fois. D'après mes informations, il y aurait plus que des relations de travail entre Monsieur Morales et Madame Hertz. Sérieux? Remarque, ça m'étonne pas. J'avais remarqué qu'il la regardait bizarrement pendant la sortie au lac. Je vais continuer à mener l'enquête pour avoir plus de détails. Ok. Je vais fouiner de mon côté aussi. Il fait vraiment trop beau. Les filles, on va à la piscine. Hors de ma vue! Bande de créatures ignobles! Laissez-moi tranquille! T'es tombé, Ulrich. Je voulais te demander un truc. Si c'est à propos de Sissi, c'est non. Non, c'est personnel. Comme je sais que t'es plutôt à l'aise avec les filles, je voulais te demander des petits conseils. D'accord. Et qui est l'heureuse élue? C'est Aelita. Waouh. Tu sais, c'est pas pour te décourager, mais ça va être difficile. Vous êtes très différents, comment dire? Aelita est vraiment super intelligente, tu sais. Moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Je sais compter jusqu'à 10 milliards. Ah bon? Essaye de l'impressionner avec ça. Qui sait?